Quand on parle de vacances, on imagine le soleil, la plage, le farniente et les toits de pied en éventail. Mais depuis quelques années, on cherche à donner un sens à ces vacances. Désormais, elles sont pour certains l'occasion de découvrir des lieux atypiques ou encore de s'engager dans des actions citoyennes, écologiques et solidaires. Et là, vous verrez que les vacances ne riment pas toujours avec repos. Perché sur un piton rocheux à 535 mètres d'altitude, le château fort du Calmont-d'Olt domine la ville d'Espalion, dans l'Aveyron. Classé monument historique depuis 1992, ce château du XVe siècle est aujourd'hui l'objet de dégagements archéologiques et de travaux de stabilisation. Et pendant l'été, ces travaux sont confiés à des vacanciers. Ça se passe bien là-bas? Oui. Ouais. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes la responsable du chantier. C'est ça. Absolument. Alors, qui sont ces personnes que vous managez? Donc, c'est des personnes qui viennent en vacances pour 2 semaines pour faire la stabilisation du château. Alors, quel est le programme? On fait 9h, midi et demi, 14h30, 18h. Donc, en gros, ces vacanciers travaillent 7 heures par jour. Plus ou moins, c'est ça. Et donc, ces vacances sont payantes? Oui, alors c'est 150 euros pour les 2 semaines et ça couvre l'hébergement et la nourriture. D'accord, bah vous pouvez me montrer un petit peu les rudiments de la maçonnerie? Ah, alors déjà. Ah, le casque? Et oui, bien sûr. Bon, c'est pas le chapeau de paille, hein. Et les lunettes pour la poussière. Donc là, on va finir de brosser les joints. Vous allez prendre la truelle juste pour enlever le plus gros. Tout le côté lisse, on va essayer de le faire partir pour faire réapparaître les graviers. Est-ce qu'il faut avoir des connaissances en maçonnerie ou en taille de pierre pour pouvoir passer ses vacances ici? Pas du tout. On est vraiment sur de l'initiation et de la découverte. Donc nous, on va leur présenter vraiment les bases et ça leur suffit pour arriver à faire des murs et stabiliser l'ensemble du château. Donc c'est les vacanciers et vous qui avez construit cette petite partie du mur là? C'est ça. Et donc vous avez mis combien de temps à construire cette partie? Là, on a mis 6 semaines. Désormais, les vacances permettent de mettre en valeur le patrimoine de nos régions. Alors vous êtes tailleur de pierre le temps de vos vacances? C'est ça. C'est une manière de pouvoir s'en rendre utile quelque part. Voir que je peux participer à la rénovation d'un château, c'est quand même une expérience intéressante. Donc vous, les vacances sur une plage à boire un cocktail, c'est pas votre truc? Ah, c'est pas inconciliable, mais j'aime bien faire ça aussi. Puis ça veut pas dire qu'on travaille 24 heures sur 24, vous savez aussi, on peut aller à la rivière, on voit le patrimoine local parce qu'il y a de très belles églises romanes dans le coin. Voilà, il y a plein de choses à voir ici et il y a du patrimoine à restaurer aussi. En 2015, plus de 10 000 volontaires et bénévoles se sont engagés sur des chantiers dans l'Hexagone et à l'étranger pendant leurs vacances. Aujourd'hui, ils sont 12 à restaurer le château de Calmont-d'Olt et viennent de toute la France. Alors cette hausse de la fréquentation est probablement due au recentrage des gens vers leur histoire, vers le patrimoine. Peut-être qu'ils souhaitent retrouver des valeurs authentiques. Et on a énormément de gens qui reviennent 1 an, 2 ans, 3 ans de suite. Plus tellement pour acquérir le savoir-faire, mais pour créer une histoire et participer à cette aventure. Au-delà du chantier de rénovation, ces vacances utiles sont aussi un moyen d'aller à la rencontre des autres et de découvrir des cultures différentes. How are we going to eat? Now we're making shakshuka, which is an Israeli dish with tomatoes and onions and eggs. Quel est le but de tout ça? Parce qu'en fin de compte, vous êtes en vacances, mais vous ne mettez pas les pieds sous la table. Vous travaillez, vous faites à manger. Voilà, bah, c'est passer des vacances un peu actives, faire autre chose que rester à paresser sur la plage, voilà, faire quelque chose d'utile, rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer à son travail ou à la fac ou au lycée. La restauration du château devrait se terminer dans une 20aine d'années. Il vous reste donc le temps, vous aussi, d'apporter votre pierre à l'édifice pendant vos vacances.